Salut tout le monde, c'est Zelda Rétro, et on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 10 de ce Nono Official Gaming sur Super Mario 64 Last Impact. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions fait le niveau 8, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et du coup, eh bien, on allait continuer le jeu, voilà, ça quand au niveau 9 ou 10, vu qu'on avait découvert les deux. On va faire le niveau 9, hein, je crois, on va aller dans l'ordre. De toute façon, si. Encore vous! Oh, ouais, vas-y, vas-y. Montre-moi tes gadgets. Ouais. D'accord. Bon, déjà de 1. Ah, d'accord, mais il me tire un PV quand même, parce que c'est magique. D'accord, ça c'est un gadget de Ape Escape, hein, au passage, hein, le point là. Mais bon, je passe. Je passe les détails. Par contre, il faudrait que tu viennes, parce que voilà, si ça bug encore, je vais pas aimer, tu comprends? Oh putain, ils m'ont tué. Les salauds. N'oubliez pas de faire déjà une save state, je ne vais pas aimer. Ah non, il revient. Oh, formidable! On peut le refaire tant de fois qu'on veut. Évidemment, si la hitbox n'était pas aussi pétée de ce truc. Mais. Ne m'énervez pas déjà. M'énervez pas déjà. Tiens. Voilà, ton truc, il est complètement parti à l'ouest. C'est stupide. Ouais, voilà, il se casse, il se casse. Bon, écoutez, il me donne une étoile. J'aime bien avoir des étoiles en cadeau comme ça pour commencer les vidéos. Ça me plaît. Du coup, on va continuer vers. Ah oui, donc je voulais aller vers la maison champignon pour voir les niveaux qu'on avait fait déjà. Parce que c'est ça qui sert d'avoir une mise au point. Et le truc de couleur favorite, je l'ai lu quelque part, c'est ça permet de changer la couleur du Yoshi en fait. Vous pouvez changer sa couleur comme ça en fait. Maintenant, on va le mettre bleu. Allez hop, on va le mettre bleu. J'aime bien le Yoshi bleu. Le Yoshi bleu. Donc, voyons voir. Bon, en tout cas, on a fait tous ces niveaux-là. Maintenant, maintenant, voilà quoi. On a l'air d'être à la moitié. C'est dommage qu'il n'y ait pas les détails des étoiles. Je pensais qu'ils seraient dedans en fait. Mais bon, tant pis. Du coup, on continue. On va certainement se faire un niveau ou bien les deux aujourd'hui, hein, on verra. Ça dépend si je fais toutes les étoiles dans ces niveaux-là en fait, c'est ça qui est. Voilà, qui est plus intéressant. Faut pas que je passe la zone trigger, ce serait un peu dommage. Du coup, un des niveaux, je me souviens, c'était les ruches là-bas en fond. Et on va faire une save state avant d'entrer dans le niveau, hein, vous comprendrez, parce que sinon, moi j'ai pas envie de passer 10 ans non plus à aller à l'entrée à chaque fois de ce niveau-là. Les gamers, de toute façon, vous avez bien vu ce qu'ils font, ils vous ramènent à l'écran titre. Ça n'a. Honnêtement, voilà quoi. Ça ne sert à rien. Non! On s'en fout, c'est. Voilà, les gamers, on s'en fout, je l'ai dit. Attends, je savais en plus que j'allais fail. Pourtant, vous remarquerez peut-être un moment que je suis calme. C'est parce que j'ai pas encore joué à ce jeu-là. Justement, à chaque fois que je me fais une session, je suis à fleur de peau après. Putain, j'étais sûr que c'était directement l'accès à la ruche. Oh là là. Une fois de plus. Voilà, là c'est bon. Deux petites save states. Voilà. Et c'est parti. Nook Ariad Honey Hive. Du coup. Il faut aller aux champignons là. Il y a des trucs, il y a des toiles d'araignée apparemment. Parfait. Oui, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Être une abeille, c'est incroyable. Je peux juste appuyer A et je vole. C'est incroyable d'être une abeille. J'aimerais trouver le power-up, si possible. Il est certainement en haut de cette séquence de plateforme, pas du tout chiante. Oh, vie d'Alice. Évidemment, il ne fallait pas faire un saut en longueur, c'était évident. Il fallait faire ceci à la place, voilà. Ah non, il y a des pièces rouges. Bah tiens, je la prends. Je prends la pièce rouge. Ah, ça fait déjà 8 pièces. Ah, ça va vite.
Écoute, on va essayer de prendre les pièces qu'on peut trouver, qui sait. Je pourrais avoir une bonne surprise. Ouais, je peux aller le contre les adversaires. Est-ce que je peux aller contre déjà maintenant? Non, non, ça va pas. Et toi, tu dis quoi? Le moule, je sais pas ce que c'est dans notre ruche, blabla. Ouais, il a été rateur, blabla. Oh, disparu, blablabla. Blabla, il trouvait des trucs à lui qui étaient dans la salle principale. Ils ont été envahis par les araignées. D'accord. En gros, je résume, hein, je résume à la vitesse légendaire, vous me connaissez. Ah, je vois. Ça y est, le jeu commence à s'ajouer comme ça, vous voyez. Généralement, on essaie de faire les pièces rouges en premier parce que ça permet de voir tout le niveau en fait. Oh, c'est du sable ça, d'accord. Oui, ça peut marcher de faire ces conneries. Évidemment, si la cam ne bloque pas. Donc faudrait que je sois une abeille pour aller dans cette pièce-là, je crois. Voyons voir. Oh oui, il y a des trucs. Il y a du truc. Il y a du truc. Donc ça, c'est l'accès à la première étoile, j'ai l'impression. Le problème, c'est que voilà, il me faudra un power spécial ou quelque chose pour y aller, parce que sans comme ça, c'est un petit peu mort. Donc c'est certainement pas ici que je dois aller pour commencer. Putain, voilà, il glisse déjà sur des pentes de merde. Bon, le jeu voulait qu'on aille là, c'est évident. Donc salut toi. Donc je pense que ça marche pas, ça. Hein. Eh non, ça marche pas, ça fait 3 Goombas. LOL. Voilà. Y a quoi là-bas? Une nouvelle zone à tous les coups. On va éviter d'y aller tout de suite. Oh oui. Donc là-bas, on va y aller. Ouais, une séquence tout à fait normale pour Mario, hein, évidemment. Hop. Donc là, à mon avis, un saut simple ne devrait pas suffire parce que Mario... Voilà. C'est compliqué. Oui. On a le choix. Il y a aussi également ces pièces là-bas, rassurez-vous, je les avais vues. Ah tiens, la reine des abeilles, formidable. Oui. Oh mon dieu, un humain. C'est la première fois que j'en vois, rencontre un. Je veux to find out, en apprendre plus sur toi en gros. Tu n'as pas encore d'ailes. Est-ce que tu es encore une larve? Non. Intéressant. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que tu préfères le nectar ou le pollen? Bah le nectar à tous les coups parce que voilà le pollen, voilà c'est un peu comme les abeilles. Oh moi aussi. Et est-ce que vos espèces, est-ce qu'ils sont barbés ou smooth? Ça je sais pas ce que ça veut dire barbé de smooth. Stinger. On va mettre barbé au pif. Vous avez l'air d'être des gens sympas. Et donc, à partir de maintenant, j'autorise les humains à marcher tranquillement dans notre ruche. C'est fantastique. Voici notre reine. Je ferai n'importe quoi pour la fort protéger. J'ai même appris à vaincre les araignées géantes. Tu dois juste les at attendre qu'elles attaquent et après qu'elles attaquent, tu seras capable de bouger. Ah non! Simply wait for them to attack and after they attack. Ah non, après leur attaque, elles seront incapables de bouger pendant quelques secondes. Voilà, c'est ça. Et c'est ainsi qu'on fait. Voilà, qu'on saute sur leur tête en gros. D'accord.
D'accord. Par contre, j'aurais aimé qu'elle me donne un power-up, quoi, tu vois, c'est... Mais bon. Au moins, on a rencontré la reine. C'est génial. Ah, il y a une vie là-haut. Évidemment, si vous êtes un peu fou, vous irez la chercher. Hein. Ah, ça va, je suis assis. Je suis assis, tout va bien. Ces pièces-là, je les garde. Au cas où que j'en ai besoin, que je sois bas en vie. Donc, c'est parti pour remonter. Hein. Évidemment. Pouh! Caméra! Merci. Oui. Non! Non, ça va rater, ça va rater. Est-ce que je tenterai encore de faire le coup du... Oui! Il l'a fait, il l'a fait! Il a été capable de sauter. Accroche-toi à ça. Et là, par contre, c'est un enfer, ce truc, parce que... Voilà, perspective! Parce que moi, je vois pas si je suis devant ou pas. C'est un enfer, ces trucs, c'est un enfer. Désolé, hein, moi, j'ai pas... Désolé d'avoir des perspectives foireuses. Bah tiens, regardez, elle sert bien à ça. Voilà. Là, j'avoue que je suis à 65, mine de rien, je pourrais avoir les 100 pièces dans ce niveau. Direct, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Alors, je vais quand même faire une save state à ce niveau-là, parce que moi et les perspectives, vous me connaissez, sinon j'ai tombé, je me sens, je me connais, j'ai tombé pendant 10 ans dans les trous. Bon, voudrait pas, j'espère, hein, bon, voudrait pas. Voilà. Voilà. Parce que moi, putain, moi je me dis là, voilà, je suis devant. Voilà. Oh, ça a l'air bon aussi. Je suis devant, ouais, c'est bon. Putain. Allez hop. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, il faut tuer les araignées avant qu'elles blessent les enfants, en gros. Par contre, là, voilà, j'aimerais bien juste. Pourquoi c'est des araignées comme ça? C'est mignon. Mais c'est quoi cette tête? Ah oui, c'est les araignées géantes qu'il faut défoncer. Ou par contre, où est le power-up de Mario Abeille? Parce que j'aimerais bien l'avoir. Ouais, bon, non. Non, je veux pas la prendre, je veux pas la prendre. Ne saute pas. Oui, ne saute pas. Ne la prends pas. Ne la prends pas, on prendra ça plus tard. Oui, je sais, mais je la prendrai plus tard. Voilà. Merci. C'est gentil à toi, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est la pièce où où il y a la reine. Ah, c'est notre traite de confiance, on te fera confiance aussi. Parfait. Donc la reine, c'était limite imposé, quoi, au départ. Formidable. Du coup, peut-être que toi, tu vas m'aider maintenant. Oui! Oh là là, vous avez vu ça? Attends. Je vais une save state d'abord, on sait jamais que ça transporte dans un lieu chelou. C'est bien ce qui me semblait. Je vais revenir en arrière? Je vais revenir en arrière si je veux. Donc je vais recharger la save state. Voilà. Et je vais juste aller là-bas pour prendre des pièces du coup. On verra bien l'étoile qu'on prend, mais j'ai déjà 4 pièces rouges, ce serait un peu dommage de s'en passer. Tu me diras, j'ai tellement déjà ce qu'il me faut. Oh, vas-y. Je retournais là. De toute façon, avec les pièces rouges, je devrais avoir assez. Oh putain, où est le moyen d'avoir mon power-up, un power-up abeille? Donc là, il y a plusieurs portes. Là, il y a ces portes-là. Là, il y a celle-ci. Ah!
Et ben voilà. Ah, sauf que ça te rend normal, évidemment. Bon, c'était facile, les 100 pièces, hein, dans ce niveau-là. Je pense que ce niveau-là, je vais bien l'aimer, vous voyez. Typiquement... Ah ouais, donc ça, c'est comme dans... Mario Galaxy. Sauf que ça s'épuise extrêmement vite, j'ai l'impression. Ne fais pas ça. Ouh, il a failli tomber dans l'eau. Il a failli tomber dans l'eau. C'était imminent. C'était imminent, mais j'aime beaucoup sa transformation. Vous savez quoi, peut-être la meilleure transformation qu'on ait eue depuis le début, là, pour le coup. Voilà. Parfait, un niveau que j'aime bien. Un niveau que j'aime bien. Ça sent le 100%. Ça sent le 100%. Donc le bord était, il était juste là, hein, quoi. Lol, évidemment. Donc maintenant, on va aller faire l'étoile qu'on a déjà faite, hein, finalement, parce que voilà, ce jeu est génial. Je peux vraiment faire ces trucs-là, quoi. Formidable. Ben voilà, j'en ai trouvé le power-up. Il manquait. Là, le jeu devient bien. Vous voyez, c'est plus des phases de plateforme à la... Voilà, quoi. De folie. Maintenant, on s'en fout. On s'en fout, on fait ça. Puis voilà. Regardez-moi ça, cette phase de merde, là, avec les trucs que j'y vois rien à cause de mes perspectives foireuses. Bah paf! Et voilà, on s'en fout! Nous avons sauvé les larves. Voilà. J'aime bien ces étoiles données. Là où c'est quoi, le jeu commence à remonter dans mon estime. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça commence à remonter dans mon estime. J'ai l'impression que ce niveau-là, il y a plus de trucs que d'habitude. C'est un peu incroyable. Le power-up est sympa, le niveau est sympa, on peut parler à des gens et tout, l'arène, il y a eu des dialogues, pas mal, pas mal, pas mal. Par contre, je dois aller où, moi? C'était où qu'on a vu les trucs? Ah oui, c'était là-bas, je crois. C'est ça, c'est là-bas, il faut vraiment y aller. Bon, attention la cam, peut-être être trop gourmand, ah, j'étais trop gourmand. Tu me diras autant aller à l'autre porte du coup. Ou peut-être qu'il fallait d'abord parler à l'arène pour débloquer ce power-up. C'est peut-être ça aussi. Hein. On va voir là ce qu'il y a du coup. Merci la caméra. Par contre le gros défaut du jeu c'est la caméra. Hein. C'est incroyable. Ouais, ouais, voilà évidemment. En fait, de toute façon, c'est pas compliqué. Le jeu... Mais non, sérieusement. Ce hack embarque comme défaut bah, les défauts qu'il y avait de base dans le Mario 64. C'est-à-dire la lourdeur du Mario, je trouve, perso. Et la caméra foireuse, quoi. Mais bon. Maintenant, la lourdeur du Mario, voilà, quoi. C'est de la N64, forcément. Et ça, c'est plus personnel. Vous me comprendrez, hein. Forcément, je vous l'ai déjà dit assez. Je pense que c'est pas la peine de vous le répéter 10 fois. Oh, formidable. C'est super saut. Formidable. J'ai oublié de faire ma save state au début de cette étoile. Oh, j'ai de la chance. Bon, je vais la faire maintenant. On voulait pas, hein. Ça se trouve, j'en aurais même pas besoin. Ouais, mais comment je fais? Parce que là, je suis d'accord, mais...
Je veux passer à travers ça? Ça m'étonnerait. Il y a une plateforme en bas peut-être? Non. Comment tu fais? Pourrais-je savoir comment vous faites ce genre de miracle? Non. C'est le fameux moment où tu bloques ou tu sais pas où il faut passer. Tu veux passer en dessous, je crois. Peut-être que c'est ça la solution. Peut-être qu'il faut passer en dessous. Juste voir. Bon, non, il n'y a rien. Bon, écoutez. On voudrait pas, hein. Attendez, t'es passé à travers ou bien je... Mais non, mais... Sérieusement. Pour ceux qui ont jamais joué au jeu, hein, qui ont pas fait ce passage. Est-ce que ça, pour vous, tu pouvais passer? Pour moi, non. Pour moi, ça, c'est un mur, hein, tu vois. Pour moi, c'est une texture comme ça, c'est un mur, tu vois, c'est... Mais bon. Du coup, voilà, forcément. Merde! J'étais persuadé que c'était ça, Attends, moi je me dis je passe à travers, je suis désolé. Je suis désolé. Ah d'accord, en fait c'est vraiment une texture qui est... C'est une texture qui a vraiment les trous, en fait sont vraiment des trous, c'est pas juste un décor comme ça mis au pif. Fallait le dire plus tôt. Enfin. Et voilà. Mine de rien, on va approcher des 80 étoiles, on va finir le jeu. Donc ça c'est bon. Alors ensuite. B Sky Race. Oh mon dieu, ça a l'air chiant. Ah, en plus il n'y a pas d'indice. Génial. Bon attends, à mon avis, c'est dans la première pièce. Avec toi là, il y a quelque chose à faire avec toi. Est-ce que ça c'est juste du décor ou bien on peut vraiment monter dessus? Non, c'est que du décor, c'est que du décor. Non. Ah, j'étais persuadé que c'était toi. Pas toi? Je suis déçu. Ouais, sûrement une abeille à qui parler. Hein. Par contre, les abeilles, vous êtes vraiment flippantes. Y'a Sky. Y'a Sky dans le nom du niveau. Mais j'ai pas vu d'accès au ciel, moi, dans ce niveau. Ah, quoique, peut-être que c'est par là, en fait. On n'est pas allé par là. Hein. Ah, c'est toi. Voilà. Bon, par contre, j'aurais peut-être préféré un truc plus explicatif. Mais bon. Je sais pas, elle est où, hein, par contre, l'autre abeille. Ah merde, c'est trop loin. J'étais trop gourmand. Bon, écoute, au moins, voilà, ça permet de faire une save state ici. Voilà. Donc, d'accord. Après un dialogue très inspiré. Nous devons faire une course de folie. Sauf que voilà, on ne sait pas trop où il faut aller, mais bon. Hein. Voilà quoi. Donc déjà, laisse le temps à la caméra de se mettre bien, hein, parce que voilà, c'est un peu beaucoup lui demander. Donc l'abeille est super facile à dépasser par contre. Hein. Non, sérieusement. Bon, on va faire la save tête au début de la course. Comme ça, voilà. Hein. De toute façon, vous avez bien compris que voilà. Hein, sinon c'est chiant. Aïe. Allez, au moins le dialogue est très court. Ah, attention, on peut vraiment la toucher cette abeille. Hein. Elle a une grosse hitbox.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, d'où je... Ah, je peux voler maintenant. Mais tout à l'heure, je pouvais pas, hein, je vous jure. Hein. Il a glissé. Il a glissé, ce con. Il a glissé. Et avec ces perspectives à la con, je pense que je peux être sur la plateforme alors que même pas. Sérieusement. Ça va, la course doit être large à mon avis. Regardez, je la dépasse déjà. Quel grand concurrent. Oh, tu peux pas voler longtemps, hein. C'est dangereux, hein. Ouais, je sais. Du calme. Bah d'accord, merci. C'est par là? C'est par là. Oh non! Évidemment. Ah oui, mais oui! Ah ouais, je dis oui! Oui! Mais oui, Mario, il se m'a glissé, tu vas même plus voler! Délicieux! Je sais même pas d'où elle vient cette musique, je veux surtout pas savoir, en tout cas, c'est une musique très chiante. On dirait une musique sous ta gueule en fait. Ne glisse pas, salaud. Où dois-je aller? Je ne sais pas où je dois aller. Vite! Oui. Oui, la fin, elle est là. Est-ce que c'était là la fin directe? En tout cas, la course n'est pas très longue. Mais il faut que je trouve où est la fucking fin. Parce que moi, je me dis, j'allais là-bas, je peux y aller. Tant de distance, mais même pas. Oui, ne glisse pas. Ne glisse pas, con. Con, mais putain! Vite! Vite, elle est où? Elle est où? Ça, c'est comment faire bugger Mario, c'est habituel. Hein. Attends, y a pas d'autre choix. Comment tu fais pour aller là-bas? Comment je fais pour aller là-bas? Je vais pour aller là-bas. Ah évidemment, 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 évidemment. Hein. Ah là, évidemment, évidemment. Hein. Et oui, Mario. Et oui, tu glisses sur des pentes de merde, hein, forcément. Ce n'est pas nouveau. Le pire, c'est que c'est assez stressant parce que je vois même pas la baille adversaire. Ça se trouve, elle est déjà à l'arrivée, quoi. Mais, but... Mais bien sûr, allez, allez, fais la totale. Cogne-toi contre le mur en plus. Bug de l'infini. Par contre, ça, ça c'est bugué hein, pour moi. Ça c'est bugué pour moi, hein, je suis désolé. Bon, tu vas comment là-bas? Tu fais quoi? Oh, j'ai réussi. Vite! Vite! C'est bon, c'est fini? T'as réussi? J'ai réussi? J'ai réussi! Oh oui! Elle me donne l'étoile sans dialogue et tout, voilà quoi, c'est formidable. Le jeu qui n'en peut plus. Bon! It's update. Silver Stars and Spiders. Donc d'accord, ça c'est en haut. Voilà, ça c'est là-haut. Évidemment. On est tellement fort qu'on va y aller sans se transformer en abeille. Voilà.
Et oui, c'était passé une fois tout à l'heure, mais voilà quoi, ce genre de choses, de performance ne se fait pas deux fois. Hein. Voilà, fait un petit bug, hein, tout va bien. D'accord, oh là là, je resterai accroché à la liane. Problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est Aragog! Ça va toi? Tu attaques, c'est ça? T'es pas censé être incapable de bouger pendant quelques secondes? What? C'est de la pierre. Bien sûr, tire-moi double PV, hein. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Quand tu viens, je vais pas attendre la nuit, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait bouclier, c'est ça? Oh, oh putain, bien joué, salope! Ouais, mais quand elle t'attaque, je vois pas ce qui se passe, hein. Parce qu'elle soit incapable de bouger pendant quelques incapable d'attaquer pendant quelques secondes, je le vois pas, hein, moi. Et je passe même à travers, bah oui, bien sûr, passe à travers, allez. Mais meurs, salope. Tire de paire de PV d'un coup, évidemment. Ouais, tu sais quoi, on va s'en foutre, hein. Je crois que si à l'étoile il faut battre l'araignée géante, je la skip, hein, je sais pas pourquoi. Parce que je comprends pas le combat une fois de plus, hein, tu sais pas, voilà quoi. De toute façon, j'ai l'impression que les boss c'est le gros point faible de ce hack, quoi. Les boss, tous les boss que j'ai vus, j'ai pas tout compris, quoi. Hein, c'est. Donc voilà, j'ai une save state ici, hein, vous allez vous comprendrez, je crois. Évidemment. Merci la caméra, hein. Éventuellement, c'était sympa de me prévenir qu'il y aurait des trous là-bas. Hein. N'étais pas obligé, par contre. Hein. Allez, vas-y. Bah oui, allez. Allez, étoiles d'argent, en effet, je confirme. Perspective à la con, je pensais que je pourrais arriver là-haut, mais bon. Passons, attendez. C'est quoi ce Mario D'accord, c'est une araignée ça. Très belle araignée, je retiens. Ah ouais, d'accord, ça te fait des toiles comme ça et t'en as une seule par saut, d'accord. Formidable! Si je sens que la fin arrive pour moi, bon, par contre, ça servira pas à grand chose contre putain l'araignée géante. Par contre, contre ces conneries là, ça peut me servir. Voilà, là je dis oui. Là je dis oui. Est-ce que tu fous, toi? Tu vas jouer, c'est ça? Une araignée là? Ah, il y a une araignée, il y a une étoile. Bah, il y a une vieille araignée aussi. Non, putain, ne meurs pas, mais. Mourir contre des ennemis à la con comme ça, voilà, ça peut arriver que dans 64, hein. Parce que si je perds mon power-up, je meurs, hein, ça c'est clair. On va prendre deux chances, voilà, on sait jamais.
Voilà. 64 étoiles en tout cas. Très bien, ça c'est très bien, on avance bien. Putain, on n'est pas loin d'avoir fini le niveau à 100%. Throw out the intruder. Ouais, mais là, je crois savoir ce que c'est, hein, c'est l'araignée géante, mais. Pff. On va encore essayer une fois, mais si j'arrive pas, je skip. Hein. C'est quoi, je vais pas me compliquer la vie. Hein. Donc peut-être qu'il faut utiliser ce power-up spécial, hein, on va bien voir ce que c'est. Peut-être qu'elles se montrent moins hostiles si je prends le power-up. Tu me diras, les araignées normales se montrent très bien hostiles face au Mario et araignées. Salut, tu m'aimes bien? Tu aimes pas ça? Merde. Bon bah dommage hein. Rien compris. Je comprends rien à ce boss, hein, c'est officiel. Je ne comprends pas ce boss. Est-ce qu'il faut le... De sauter dans sa gueule? Non, elle fait mal, sa gueule. Tu as disparu, très bien. Attaque-moi. Elle m'attaque pas, hein, au passage. C'est la dernière la plus inoffensive du monde. Hein. Et quand elle t'attaque, elle va trop vite. Bah oui, bien sûr, allez hop. Je comprends rien à ce boss, hein, je vous le dis. Faudra que je vois comment le battre parce que là. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait sûrement faire une charge au sol sur sa croix là. Mais quand? Quand que c'est putain de bon? Aucune idée, hein. On va essayer de faire une save state là, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que quand elle fait ça, elle est. Il faut sauter dessus? Ah bien sûr, allez hop. Tu veux moi des attaques invisibles. Double touche. Triple touche, bah oui, allez, allez, c'est le festival. Ce festival. Attaque-moi! Pas comme ça. Pas comme ça. Mais si, comme ça, bien joué, salope. Peut-être qu'il faut la faire tomber dans un trou, hein. Un trou invisible. Je vois pas. Parce que ça. On peut pas. Tu peux pas. Le son cul, tu sais rien faire avec. Moi je dis c'est la croix. Mais. Et en pute, mais arrête de faire ça. Là, comme ça. Mais bon, oh évidemment. Avast qui s'y met. Voilà. C'est sûr qu'il ne fera pas tout ramer, évidemment. Allez! Oh, mais attaque-moi, nom de Dieu! C'est bon? J'ai réussi à mettre un coup, je sais pas comment j'ai fait. Donc, elle a vraiment fait ça. Attends, on va refaire la save state parce que il faut que je comprenne. Hein. Donc, à mon avis, il a fait son coup. Et. Bah bien sûr, ah bah oui, le bug de l'infini. Paf! Non, c'est pas ça. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Je comprends rien. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut faire avec ce boss. Ah. Bon, j'ai compris. Donc, en gros, c'est ce que la tortue, c'est ce que l'abeille disait. Mais il faut, voilà, il faut que la hitbox soit pas buggée. Éventuellement, ce serait bien. Tu vois?
C'est ce que j'appelle une box buggée, ça, je suis désolé, hein, vous avez bien vu là, voilà quoi. Alors, n'y a rien à foutre, je vais bourrer les save states, moi, jusqu'à le tuer, ce con, hein, je vous le dis, parce que là, la hitbox est buggée, hein, je suis désolé, la hitbox de ce truc, elle est à méditer, c'est une méditation. Mais putain, fais. Mais putain, oh là 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 là, c'est chiant. Donc elle attaque. Paf. Paf. Bah bien sûr, passe de travers, allez. C'est nouveau ça. Je vais t'écraser. Ouais, elle reste pas longtemps en mode stun quoi. Voilà, là elle est là, hop, paf. C'est bon. J'ai pas compris. Pour moi j'étais à côté, hein. Mais bon, écoute, c'est pas grave. On va s'en plaindre. C'est bon, c'est fini. Bah c'est fini, hein. Voilà. C'était un boss formidable, hein. Voilà. De toute façon tous les boss de jeu, j'ai jamais rien compris, hein. Honnêtement, le serpent là. Monter dessus, bah, la première fois, vous avez vu, il apparaissait pas, je sais pas pourquoi. L'autre, là, dans l'eau, il fallait le mettre dans sa cage, je le remets dans sa cage, je l'ai fait au pif, ce boss-là. Voilà, quoi. Si j'ai pas compris, hein, cette box était sûrement mystique. Mais c'est passé. Bon, écoutez. 42 minutes, bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, tout à fait. 65 étoiles, on a récupéré, du coup, bah, 7 aujourd'hui. C'est pas dégueulasse, je crois. Je crois que c'est pas dégueulasse, on a 65 étoiles, on approche des 80. Hein, parce que voilà, quand il y a les 80, il paraît que c'est la fin du jeu. Donc voilà quoi, la prochaine fois, nous allons nous diriger vers le niveau numéro 10. Qui est donc le niveau dans le ciel. Qui est là-haut. Hein, voilà, d'ici là. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Ouais, le mot ment. Voilà, exactement. Donc je vous souhaite bonne soirée, tout ça, et je vous retrouverai du coup bah, pour cette prochaine vidéo, évidemment. Ce sera la partie 11, et du coup, dans la partie 11, on fera le niveau 10, voilà, hein, à moins qu'il me fasse rager, et qu'on passe à un autre, hein, comme c'était le cas pour Sugar Sweetland, là, Super Sweet Sugarland, voilà. Lui, voilà, quoi, c'est pour ça que... Sinon, le reste, j'avoue que j'ai pas été dégueulasse, hein, j'ai fait certaines étoiles, hein. Bon là voilà, et là voilà, quoi. Bon il y en a une, je l'ai faite, mais je pourrais d'ailleurs aller la rechercher en off si jamais il me manque une étoile ou quoi, ça, je pourrais. Je pourrais, mais sinon, pas dégueulasse, je suis bien démerdé pour l'instant, je trouve. Alors évidemment, je fais des save states et tout, mais bon, voilà quoi, vous m'en voudrez pas, hein, vous m'en voudrez pas, je crois, c'est, voilà quoi. Je l'avais dit dans le point info, je fais les save states parce que c'est pas un jeu officiel et tout, et comme il y a certains passages que voilà, là la save state, j'ai faite par exemple parce que le boss, la hitbox, comprenez pas trop, hein, donc voilà quoi, quitte à, au lieu de, voilà, je vais pas me faire chier à re-refaire et tout, l'accès au niveau et tout, à cause d'une box buggée, hein, je suis désolé, parce que pour moi ça c'était une box buggée, hein. Vous l'avez bien vu, j'ai fait genre 2-3 sauts sur son cœur et ça a pas touché, et le saut en plus ultime il était à côté du cœur, hein, j'ai trouvé, mais bon, c'est pas très grave, hein, voilà, on va dire c'est normal, et du coup, on s'arrête là, pour la Steampact et... Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, ce sera lundi, ce sera la partie 11, logiquement. Si j'ai le temps de vous la tourner, en tout cas, hein, je l'ai dit dans le point info. Si jamais, bah, de toute façon, je vous lirai sur Facebook si j'ai pas eu le temps de la tourner. Mais normalement, ça devrait aller. Du coup, à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à aimer, à commenter, tout ça, et à plus, voilà. Allez, salut!